C'est le moment de crier dans le mountains with Coleridge, Shelley, Byron, Uncle Walt Whitman, Ray Vaughan Williams. Moi je continue à me préparer et puis bah, j'espère que ça va vous plaire. Je sais pas si vous connaissez ce genre de musique, en tout cas c'est du métal symphonique, donc c'est pas du métal qui gueule la mort, qui voilà, qui que tout le monde déteste. Non, ça reste des musiques relativement écoutables, voilà, pour certains, même si j'aime beaucoup le métal qui gueule, mais bon, c'est pas grave, là c'est pas du tout le cas aujourd'hui. Donc voilà, je suis super excitée, j'ai quasiment pas dormi de la nuit, donc voilà, je suis un petit peu speed parce que voilà, 2-3 heures de sommeil, ça me rend complètement hystérique. Donc ouais, je me suis préparée, donc c'est très 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 chargé, et en plus de ça, je veux mettre du rouge à lèvres rouge, donc j'ai déjà mis mon t-shirt, enfin t-shirt pull, j'ai un sous-pull en dessous parce que ça va cailler, parce que je pense que je vais pas prendre ma veste pour le concert, mais bon, c'est dommage, j'ai pris une taille XL et c'est 1000 fois trop grand. Je suis un petit peu dégoûtée parce que vu le prix du bordel, ça m'a coûté un bras. Et voilà, donc là je me prépare pour aller chercher ma belle-sœur. Je sais pas exactement à quelle heure elle arrive de la gare parce que j'ai pas de nouvelles. Donc voilà, je vais déjà préparer. Si, elle m'a répondu. Donc je vais me préparer. Elle arrive à 13h01, donc il est moins 10, donc voilà, il faut 3 minutes pour aller à la gare, mais c'est pas grave, c'est le temps que j'installe tout ça, parce que j'ai envie de filmer aussi un petit peu dans la voiture pour, voilà, parce qu'elle m'a dit, je veux que les gens me voient avant, sans maquillage, et après, donc voilà, donc, comme ça vous verrez tout. Donc moi je vais aller la chercher, parce que avant que j'arrive en retard, parce qu'il faut que je fasse chauffer un petit peu la titine, parce que ça caille aujourd'hui, donc je sais pas réellement ce que ça filme dans la voiture, parce que le truc il tient pas vraiment, donc voilà, c'est un petit peu à l'arrache là, hein. Je sais pas ce que... où vous voyez, si vous voyez quelque chose dans la voiture ou pas. En tout cas, c'est la merdasse. Donc, je vais arriver 1000 ans en avance. Il est que 56, elle arrive à 1. J'imagine que ça tremble de tous les sens et vous n'entendez que dalle. Donc là, j'attends... Donc là, j'attends ma belle-sœur. Je sais même pas ce que ça filme. Et ben là, voilà. Donc, c'est nickel. Salut. Ça va? Oui. Il y a longtemps que t'attends? Non. Wow. Oh, trop cool. Ouais, parce que à pied, je mettais 20 minutes à pied. À pied? Bah oui, à pied, pour venir de chez toi. Ah oui, bah oui. Je mettais 20-25 minutes. Ça fait du chemin, hein. Ah, il faut pas qu'on perde de temps. Ouais. Bah lui, je sais pas à quelle heure il arrive. Ouais, bah de toute façon, il a prévenu, hein. Il arrive, il pisse et on part, hein. Ouais. Bah après, ça dépend à quelle heure il arrive. Après, ça sert à rien d'arriver. 1000 ans en avance. Mais t'as vu ça te coiffer alors? Ouais, t'as mis le truc d'œil, ouais, c'est tout, oui. Ouais, t'es déjà prête quoi. Bah ouais. Ouais, t'as pris le temps pour te préparer. Une heure. C'est quoi ça? On est filmé. Hein? On est filmé? Non. Si. Oh putain. Fais me le dire toi. Oui, je fais la con. Ah bah ben, je dis des gros mots en plus. Ma belle-sœur est arrivée. Dis bonjour. Bonjour mesdames, bonjour mademoiselle. Donc on va commencer le maquillage. Donc voilà, dans ma chambre tout en bordel aujourd'hui. J'ai pas le temps de faire quoi que ce soit. Du coup moi je suis pas coiffée encore. Donc je me coifferai après. Et puis bon, on va se préparer.
Alors, voilà ce que ça donne, mais on voit pas bien parce qu'il fait pas beau. Du coup, on dirait que c'est tout. Là, on voit mieux du côté là. Tu veux que je me mette plus par la fenêtre ? Non, c'est pas grave. Faut qu'elle voie, hein. Ouais, on verra mieux sous l'autre lampe, je pense. Voilà, ça avance. Oui. Bon, il y a encore le scotch. Hein. Ouais, comme non, mais... moi, si vous m'avez suivi sur Snap, ma tronche avec le scotch. Alors, on a testé ça. Donc, il y a un sérum comme ça, plus l'échantillon de fond de teint. Donc, c'est Yves Saint Laurent. Et voilà ce que ça donne. Et là, le résultat. Il est vraiment super sympa, je trouve. Donc là, c'est en beige rosé. Non, bien. Voilà. Donc, c'est encore pas tout à fait estompé, hein, vous inquiétez pas. Non, c'est le début. On est qu'à la moitié de la face. Ouais. On n'a pas terminé encore. On n'a pas terminé. Ça avance. C'est plus que les cheveux à faire. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu le travail qu'elle a fait ? C'est beau, magnifique. C'est dommage, la luminosité n'est pas terrible, terrible. Pourquoi tu vois pas assez clair ? Bah, je trouve, bah, après, je vais voir sur le PC comment ça rend. Mais les couleurs, ça rend pas justice. C'est dommage. Mais bon. C'est trop beau. Les cheveux maintenant. Ouais, après, je suis pas une maquilleuse pro, hein. C'est pas mon boulot. Oh, attends, là, t'as assuré quand même. Mais bon, on s'amuse comme on peut. Non, non. Là, c'est assuré. Là, franchement, moi, je fais pas mieux que toi. Ça. Alors, je pense que vous connaissez toutes les petites choses là. Les youtubeuses ont fait une pub dessus. Et voilà ce que ça donne. Voilà le résultat. Donc, c'est plutôt sympa, je trouve. En fait, ça fait vachement naturel. Enfin, ça fait pas comme si c'était des craies. Ça fait pas tout sec, en fait. La texture du cheveu, elle est bien. Elle est bien. Donc, Je pensais que ça ferait plus foncé que ça, moi. Ouais, tu vois, non, c'est naturel. C'est trop bien. C'est sympa. C'est original. Trop bien. Et voilà. Yeah. Ce que ça donne. On est bientôt prêtes. Ouais. Mais il faut le chef. Ouais. Non, toi, mais faut que je me coiffe. Faut te coiffer. J'ai une coiffure de merde. Ma coiffure toute pourrie. T'as fait du bon boulot sur moi, mais maintenant, c'est sur toi maintenant. On est prêtes. Donc là, il est 3h15. On doit être là-bas. Bah, en fait, il y a 2 heures de route. J'avais dit 1 heure, mais il y a 2 heures de route. Et du coup, on y sera vers 5h. 5h15. 5h30. Ouais, le temps de s'arrêter. Moi j'ai peur, il faut que je fasse pipi sur la route. C'est ça. C'est surtout ça, la chiante qui veut toujours pisser partout. Voilà, il faut, faut que je fasse pipi avant le concert. Et bon, on ira, papa. Ouais, on ira. Puis après, bon, on passe à la station pour aller chercher des cigarettes. Ouais, pour moi. Voilà. Pour et moi. Oui, pour toi. Et puis après, c'est bon. Là, on attend que monsieur se décide à partir. Voilà. Non, donc, c'est l'imprimante 3D. Oui, une imprimante 3D, mais bon. Mille ans avant. Oh là 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 là, du coup, je viens d'aller faire pipi, il va falloir que je refasse pipi, encore. Donc, voilà. Donc maintenant, voilà, aujourd'hui, ma bouche, elle est énorme. Hein. Donc, Ah non, non, c'est bon, Clément. Ah, tu rigoles ? J'aime bien. Non. Et non. Bien. C'est le moment de crier dans le
mountains with Coleridge, Shelley, Byron, Uncle Walt Whitman, Ray Vaughan Williams. Il est 4h15 du matin. Vas-y, sonne. Il est 4h15 du matin. Donc on a passé une excellente soirée. C'était vraiment magnifique, magique, vraiment génial. J'ai adoré le concert. On était placés vraiment super bien, quasiment tout devant. Du coup, c'était super. Je vais essayer de vous mettre quelques vidéos de ce que j'ai pu filmer. Même si... j'ai un peu mal partout. Même si c'était difficile, on est hyper crevés et demain, vous allez à 8h30. Donc le temps d'aller se démaquiller, de prendre la douche, ça va être just. Donc j'espère que ça vous plaira. Bon, après, je sais que le style de musique ne plaît pas à tout le monde. Donc la première partie, Amorphis et Arch Enemy, c'est pas des groupes qu'on écoute habituellement. C'était les premières parties, nous ce qu'on écoute vraiment c'est Nightwish, donc je suis hyper contente d'avoir pu les voir. C'était vraiment très très beau concert, vraiment hyper contente, et en plus de ça c'est la première expérience dans la fosse, parce que vraiment il n'y avait pas le choix, il n'y avait pas de gradin, mais voilà, vraiment coup de chance, on est arrivé assez tôt, du coup on a pu être placé quasiment devant, quand on avait 3-4 rang devant, donc nickel, vraiment très très contente. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, de vous partager un petit peu mes goûts musicaux. Donc je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.